Eh bien, salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode 29, je crois, sur Tales of Zestiria, n'importe quoi, sur Tales of Berseria sur PC. Excusez-moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc proche dans l'épisode précédent, voilà, nous étions arrivés enfin à Eastholt, enfin, depuis le temps qu'on devait y aller. Qui est un endroit assez paradisiaque, hein, quand même, assez plage, assez coquillage, tout ce que vous voulez. Et je rappelle qu'à Eastholt, nous devons rencontrer le fameux une certaine, parce que c'est une femme finalement, on a appris, Grimoire, ou Grimoire si vous préférez, pour nous parler du livre de l'Empyréen, hein, tout simplement. Donc dans l'épisode précédent, on avait aussi appris, je crois, par-ci par-là, quelques informations un peu sur le lore. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Alors attendez, que je sache où je vais quand même, attendez. Renseignez-vous sur Grimoire. Alors est-ce que si je te parle, tu me dis des choses? Vous m'avez l'air suspect, je vais devoir vous demander de vous identifier. Si c'est un titre de voyage que vous voulez, nous en avons un. Donnez-moi ça, la ménagerie de Magilou, hein, très bien. Mais je vous préviens que vous feriez mieux de vous habiller de manière plus sobre, même en tant qu'artiste. Si vous n'aviez pas une exorciste parmi vous, je vous aurais embarqué pour un interrogatoire. Mais vous avez tout à fait raison, je m'assurerai qu'ils comprennent la leçon. D'accord, bon, c'est un petit pas où aller, hein, on va être franc. Alors peut-être qu'on va avoir... Ah mais attendez, c'est peut-être... Ah, il y a peut-être un truc que j'ai pas loupé, ok, donc l'entrée c'est par là-bas, j'avais pas vu le petit pont. Bon, bah écoutez, on est parti, est-ce que tu rentres? Oui, il rentre, il disparaît même devant la porte. Ok, bon, on est parti, on va voir ce fameux Grimoire. Ah, il y a quand même une grosse partie supplémentaire de la ville. Alors on va checker un peu les environnements. S'il y a des perles, je suis preneur. Alors, je sais pas si ça va être un gros épisode ou pas en termes de révélation. Je pense qu'on va avoir des informations intéressantes. Hein. Intéressantes, mais je pense pas que ça va être le gros épisode de la mort qui tue. Où je vais me lever de ma chaise en mode « Mais c'est incroyable !» Je ne pense pas. Bon, on est parti. Alors, est-ce qu'elle est en bas ou est-ce qu'elle est... Ok, c'est bon. あんたが受け取った手紙っていつの話?さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ!せめて食らうけんのおやつにしておくれ!なんなら、私が食らって。あいつは。引き継ぎは全て済ませておきました。 着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力とそしつがある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。 はい、しっかり務めます、姉上。パラミデスへの派遣。この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。 あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。 思いのほか手ごわく、手負いのものも出ています。心得ました。それから、生水は飲まないように。姉上。おせっかいすぎますね。わかっているのですが、どうしても。 ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃのう。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上すとは。私を疑うのは分かります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは清涼の断りとつながってる。
わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの、お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど、その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろう。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。Ok, bah pas mal de choses. Déjà, Oscar et Teresa sont dans les parages, donc déjà, ça annonce qu'on va les recroiser et ça va pas être de la tarte, je pense. Donc ils ont parlé d'un... le démon d'Aria, je crois, d'Aria, c'est ça, je crois. Donc, on espère qu'elle n'a pas attaqué cette grimoire, ça serait un peu chiant. Et Oscar va être envoyé à Palamidies. Pamaladies, ok, Pamaladies, je crois que c'est ça le nom. D'accord, donc ça doit être une genre de forteresse, on sait pas trop. Même Eleanor n'en connaît rien. Southgand の人たちはね、もともとは水の聖主アメノチ様を信仰していたの。南の島々の生活は海とは切っても切れない関係にあるでしょ。豊漁の感謝をする時も、安全の祈願も、みんな。雨の地様にお祈りを捧げたの。今もその信仰は続いてるのか。清涼の神様はカノ主だろ。ほとんどの人は清涼の言う通りにしてるんだけど、奥地にあるハリア村だけは事情が違ってね。その村だけは今でも雨の地様を信仰してて、清涼とはちょっと揉めたりしてるの。ゴーマを退治してくださるのはありがたいんだけど、信じる神様まで決める必要はあるのかしらね。あるんだろうさ、清涼にとっての断りってのがな。ま、心なんてものは縛れるものじゃないけどな。 D'accord, donc c'est bien Aria. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, ça fait des informations intéressantes quand même. On va visiter un petit peu vite fait les lieux parce que bah on n'avait pas vu cette partie, hein. Hop, voilà. Alors, donc là, je ne peux rien faire. On a encore un dialogue qui est en attente. Hop, plein de petites perles, ça fait plaisir. C'est cool, ça. Il y a un petit peu de liberté un peu dans les dans les zones, ça. J'avais peur que ça soit trop statique, trop linéaire. Alors, attends. Que je me gourre pas le chemin. Donc déjà, on sait où aller pour quitter les lieux. Donc il faut qu'on passe par là. Je pense pas qu'on puisse y aller maintenant, à mon avis. Mais bon, on maintient. Toi, c'est pour le jeu de cartes. Je m'en fiche. Ok. Bah, écoutez, on va... Est-ce que il faut discuter? Ah, mais t'es là-haut, toi. D'accord, ok. Otona ni naru te... Nan nan darou na? Wakamono no eien no nayami te yatsu da na. Kono shima de maitoshi okonawareru seijin no gishiki te kiita koto aru kai?確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。そう。でもバナナやパレンジはずいぶん昔の話だよ。年月を重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。気づけばスイカを丸ごと投げ合うようになってた。スイカが当たったら結構痛いよね。ああ、でもスイカはまだマシだったよ。最近はヤシの実を投げ合うようになってさ。ヤシの実は半端なく硬いじゃろ。そうなんだよ。岩を投げ合ってるようなものさ。
そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり、まだだまだだと思ってたけどさ、俺もとうとうその儀式に出なきゃならない。でもさ、どう考えても危なすぎるだろう。っていうか、そんなことが大人になることなのか。危険を克服することで大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かにいる。まさにそういう古臭い連中がいるんだよ。最近の若い奴らは軟弱だとか言っちゃってさ、自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに、しかもスイカには切れ目入れてたって言うし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏れてたってわけか。恥ずかしながらね。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの。あ、まったくその通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪ノリしてるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで。Bon, d'accord. Bon, je m'attendais à un dialogue un peu plus important. Je voulais quand même laisser, mais bon. Ah, ce genre de dialogue, il y a des moments où m'exaspère un peu. Bon, allez, c'est pas grave. Field enough pour se téléporter. C'est nickel. Bon, bah, on va aller directement au lieu, hein, demander. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dans les plaines pour affronter ce démon, je pense. Alors, on peut aller par là. Ah, mais c'est le même chemin. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Un peu d'amélioration ne ferait pas de mal. Alors, moi, il faut que je me souvienne un peu de ce que moi, je devais faire. Alors. Hop. Et on améliore. Nickel. Ok, alors on va faire une par une sans trop se prendre la tête. Alors là je peux pas améliorer, là je peux pas améliorer. Ah ta 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 ta. Je peux pas améliorer, je peux pas améliorer. Ah oui, ça c'est vrai que j'avais fait pas mal de modifications avec les anneaux, c'est vrai. Bon, on va améliorer ça, hein, écoutez. Je peux pas plus. C'est une question délicate. Alors, attends. On va checker tranquillement. Putain, j'ai beaucoup de choses. Oh, la vache. Bon, allez, un petit démantelage ne fera pas de mal. Hop, on démantèle. Ah oui, ça, je vais pas le faire, ça, par contre, parce que c'est pratique. Pic de guerre, hallebarde. Rareté, allez hop, on fait tant qu'on y est, on gerte. Le ruban simple, je vais peut-être le garder, on sait jamais si on l'améliore. Comme ça, si l'autre est amélioré au max, on peut se faire plaisir. Non. Bon, autant jeter ce qui est pas trop faible, pas trop fort quand même. Hop, ça aussi ça dégage, ça on va laisser. Voilà, ça aussi. Ok, bon, a priori on a dû faire à peu près le tour. Ça on garde, je sais, c'est le petit moment menu, je sais, c'est pas franchement le meilleur moment, j'en suis conscient. Ça on va garder, on sait jamais. Les anneaux aussi, c'est pratique quand même. Ouais, non, moins quand même. Alors. Hop, ça c'est pas trop utile. Bon, là on a fait le tour. Talon. On garde. Ok, alors améliorer, on peut peut-être faire des choses maintenant, je pense. On peut peut-être améliorer des trucs. Voilà, 30% d'XP en éliminant des crustacés. C'est parfait vu la zone. On améliore. Voilà. Allez, on va améliorer tout ça. En plus, il a bonus d'art, c'est super. On les améliore bien là, c'est bien. Là, on fait de bonnes choses.
Ok. Hop, hop, hop. Ok, là, je ne peux rien améliorer. Là non plus. Et là non plus. Bon, bah voilà, on a fait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que tu vends? Je les pêche, ça, on prend d'office. 50% de PV, c'est très très bien. Alors, ça, c'est quoi? Ça augmente. C'est du bracelet d'amphifurite. Ouais, bon, j'ai déjà ce qu'il faut, on va dire. Je pourrais les prendre pour augmenter l'attaque un peu de bichette, là, je vois, mais bon. Bon, on peut s'en passer, je pense, de tout ça. À mon avis, on a déjà pas mal de choses. Donjon pour se retourner immédiatement. Alors, on en a. Ok, bon, bah voilà, on a fait le tour. Allez, on va te parler. ボーヤ、気に入ったのかい?これは聖主雨の血様の人形だよ。聖主雨の血様?これが?ああ、間違いない。俺は雨の血様を見たんだ。威厳たっぷりで、大佐をお怒りのようだったよ。見た?怒ってたってなんで?聖領はサウスガンド領で盛んだった雨の血信仰を禁止したんだよ。それで、 雨の血様は、へそを曲げちまったんだろうな。話しかけてみたんだが、何を言っても、あ、そ、しか言わないんだ。それって、土産屋よ。そのやる気のない神様は、この人形の姿をしておったのじゃな?おお、ほぼほぼな。おお、なんという奇遇じゃ!その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ!人間じゃないのかよ! 人間とは一言も言っておらぬ。土産屋よ。どこで見た?この先のマクリル浜だけど。渚で黄昏ておるとは、ますますねえさんらしい。さあ、海へ急がぞ。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの?危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。OK, donc direction Maclear. Voilà, j'ai oublié le nom. Bon, bah écoutez, on est parti. Bon, a priori, c'est un Malak, tout simplement. De la même race que Plage de Maclear, mer australe déchaînée. Attends, je t'ai coupé, excuse-moi, mon grand. Irena Umidana, Kokoga Makuriru Hamaka. Grimo-nee-san, Irukana. Ok, bon, bah c'est parti, on va visiter les dieux. On va récupérer tout ce qu'on peut trouver. Alors attendez que je regarde la carte. La ficette et le remède ancien. Ah oui putain, donc c'est vraiment une quête en fait le remède ancien. Bon bah écoute, on va la faire hein, tant qu'elle est devant. Tant qu'elle est sur le chemin, on va en profiter. Hein. Bon bah écoutez, on est parti, on va visiter les lieux. On va au moins essayer d'atteindre ce grimoire, ça on va être franc parce que j'aimerais bien qu'on l'atteigne depuis le temps. On va récupérer toutes les perles qu'on peut trouver. Alors, on a un coffre Minouz, on va peut-être le faire en dernier, lui. Histoire d'avoir le maximum de perles. Ok. Bon, bah au moins, on a des informations utiles. Ah, voilà, on peut faire un combat enchaîné. Oh putain, il est rapide. Eh, frère, comment on le fait? Merci. Merci. あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問は最もじゃが、いろいろと微妙な話が多くての。話せる範囲で説明するでふよ。なら、前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの?おおの、それだけは言えないでふ。いきなりダメなわけ?そのハットのリボン、ピラピラして邪魔だろ。ほどいていいか? 絶対にダメです。このリボンだけはほどいちゃダメなんです。どうして?それも絶対に言えないです。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ?例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では、 教えてあげますからよく聞くでふよ。僕たちはノルミン族という歴史とした精霊の一種族なんです。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名、凡霊だ。おお、バット!
その呼び方はノル民族のトラウマですよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんです。それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんですよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビエーン、平凡って言うな。J'avais complètement oublié que c'était des Normines, c'est vrai. Je savais la race, mais je le gardais comme mal. Je le nommais toujours Malak, mais bon. Donc, oui, c'est vrai, c'est des Normines, c'est vrai. Maintenant, avec le recul, je. Voilà, j'ai oublié ce détail. Donc, c'est des Normines, c'est vrai. C'est ceux, comme il l'a dit, ça donne des bonus. On les avait vus dans Tales of Vestiria. C'est pas. Après, je vais être franc, tout ce qui est mascotte de manga de ce genre, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça me gonfle même plus qu'autre chose. Ok, bon, bah écoutez, on est parti. Alors, on va monter, je sais pas où est-ce qu'on va, mais on va monter. Il y a peut-être des trucs intéressants. Alors, il y a un coffre, déjà, on a des perles. On va descendre, aller prendre le perle Minouze, le coffre Minouze anti-poison. Bon, déjà, ça donne à peu près l'idée du lieu auquel on est. Si on te donne ça, c'est qu'à mon avis, les ennemis doivent empoisonner, je pense. Ok, bon, on va récupérer... le coffre, ou plutôt les perles qu'il y a là-bas, plutôt. Ah. Voilà. Allez, direction le petit coffre Minouze. Attends, il y a peut-être un truc que je peux faire. Ok. あのペンギョンは何してるんだろう卵を温めてるんじゃない多分そうですあのペンギョンはお父さんとお母さんペンギョンは一夫一婦制で同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって夫婦だから卵が生まれるんだねでもどうやって卵はできるのかなそれは、あ、知っていますか、ライフセット。ペンギョンの卵って大きな殻の中にオレンジ色の子卵がいっぱい詰まってるんですよ。プチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感でウニのような濃厚な味わいな。魚鳥類って魚に近いのかな。食べるんだ。あんなに大事にしてる卵。残酷ではありますけど、美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯に乗せた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですからネーミングも野蛮すぎ私がつけたんじゃありませんけど卵美味しそうだけど今は取らないであげようね OK Bon, fallait bien qu'on arrive à ce sujet, hein, ça serait pas drôle. Bon, allez, on va aller prendre ce coffre, on va continuer notre chemin tranquillement. Je pensais que c'était vraiment une quête, hein, non, c'est juste un dialogue. Allez, le petit coffre. Putain. Oh non, j'ai pas assez, il me reste vraiment que ça. Oh, il me reste 16. Il me reste... Ah, j'ai besoin de 16 perles de plus. Bon, bah, ça se trouve, on fera ça au chemin du retour. Écoutez, c'est pas grave. Bon, je trouve quand même que les ennemis sont pas trop agressifs. Hein, quand même, ils me laissent tranquille quand même, hein, en majeure partie. Bon, on en affrontera de temps en temps, je vous rassure. Alors, on va récupérer donc la perle que j'ai vue cachée. Voilà. Allez, on va monter. J'espère qu'on va voir. Je veux juste qu'on atteigne ce grimoire. C'est tout. Voilà, elle est là. Enfin, le grimoire, c'est là. Allez. Là, c'est grand comme zone, hein, quand même. Attendez, je regarde la carte. Ok, on a un lieu là-bas. あれってクリモ姉さん？あ、行っちゃう！Allez, c'est parti. Donc, point faible à la terre. Bon, on est parti, petit combat, allez. Allez, cadeau. Ok, vas-y, récupère. Alors, attends, il a lâché une perle ou pas? Je veux ma perle. Ouais, putain, il la met vachement loin, la perle, quand même, quand t'esquives. Ok, bon, alors, le poison, ça, on l'avait prédit, quand même, hein. Nickel.
J'ai voulu faire le combo spécial, mais c'est pas passé. Allez, cadeau. Oula. Allez, attaque-le s'il te plaît. Voilà, c'est bon, il est stun. Ok, j'ai dû le faire, je pense. Récupère. Allez, c'est bon. Allez, bon, il est un peu résistant quand même, hein, mine de rien. On aura peut-être du XP, je pense. Wow, il fait mal. Ok. Nickel. Ok, bon, il est stun de toute manière. Allez, cadeau. Bon, niveau vie, j'ai pris ma part par contre. Hein. C'est pas beau tout ça. Ok. Faut que je fasse un peu attention à ma vie quand même. Hein. J'ai pas tendance à y faire gaffe. Allez, récupère. Oh, bien joué. Oula. Barre-toi. Alors, objet pénacé. Alors, un petit peu de soin. Ok, vas-y, soigne-moi, s'il te plaît. Nickel. Allez, ça c'est fait. Wow. Putain, ils font mal. Cadeau. Allez, c'est bon. Eh, un peu plus dur par contre celui-ci. Hein. Plein d'XP, ça fait plaisir. Alors, triple secousse, attaque de scoring. Très bien, donc c'est un art en plus. Hein, un art, c'est même pas un combo. Ok, donc nouvelle art. Alors, confère une compétence aléatoire qui donne l'avantage de contrôler les ennemis. D'accord. Altération d'état haut qui inflige des dégâts sur la durée de facilite la parade des attaques de la cible. Le poison empêche la récupération de PV et peut mettre KO. Les ennemis résistants à l'eau ne peuvent être empoisonnés, mais ceux dont la défense art a été réduite. Ils sont 4 fois plus sensibles, d'accord. Bienfu to onaji shuzoku no seirei de shou ka? Anta ga grimoire? Tanomitai koto ga atte sagashitetan dakedo. Ah. Anta dare? Velvet. Majo no shiriai yo. Ah, ça. Grimone-san, gobusata jano. Gobusata desu. Ah, anta tachi. Aikawarazu, docchi mo myouchikurin ne. Douyu kankei nanda? Majo no shugyou o shite otta koro no senpai ja yo. De? Nakanaka ni kyoumi bukai komonjo ga atte no? Sono kaidoku o tanomitai nja. Heh. Anta ga tanin ni kataere nante.珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくてな。私は暇じゃないけど。ねえ、グリモ姉さん、そこをなんとかお願いでく。そういうのやってないから。残念無念。引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば脅しじゃない。 でしょうね。あんたみたいな目をしたこと関わると、とんでもないものを背負わされるのよ。この年になるとね、そういうのは重くていけないわ。何歳なんだ？それ以上踏み込むと、あんたのケツに花火突っ込むよ。おう。これは失敬。 南の島なのにごめんね。
イ語、どうやったら読めるようになる？勉強する本とかあるかな？へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。坊はベルベットの役に立ちたいんじゃよな。授業料高いわよ。教えてくれるの？嘘。けなげさに免じて読んであげるわ。古文書はどこ？これです、クリモ姉さん。姉さんはいらないから。あ、はい、姉さん。姉さんはいらない。さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト語。また厄介なやつね。痛みもあるし、ささっとは読めないわよ。可能な限り急いで。急ぐにしてもこんなところじゃ、なんだ、落ち着ける場所に移ろうぜ。さっきの失言忘れてあげる。この先にハリアって村があるわ。おう、かたじけない。さっさと行きましょう、そのハリア村とやらに。 OK, nickel, bien. On vient de faire la rencontre de cette fameuse grimoire. Bien, donc il faut qu'on aille au village d'Aria, mais je vous rappelle qu'il y a un démon là-bas, donc à mon avis, ça va pas se passer comme prévu. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Nickel, bon alors, on va faire un petit peu le tour quand même. Hop, 2050, c'est pas dégueu. On va faire un peu le tour, checker les environs. Alors, s'il y a un point de sauvegarde à côté, ça m'arrangerait. Comme ça, on arrête là. Alors, on a un démon rouge, à ce que je vois. On peut peut-être se faire le démon. Ça sera toujours ça de prix en termes d'XP. Attendez, on va déjà faire un petit tour des lieux. Ça se trouve, j'aurai peut-être assez d'ailleurs pour... Hop, ouais, c'est ça. J'aurai assez pour le coffre Minouz qu'on a loupé. Après, je pense qu'on aura moyen quand même de se téléporter, d'aller sur les lieux. Alors, on a un point de sauvegarde. C'est nickel. Ok, bon, il y a un point de sauvegarde, déjà, ça me rassure. Hop, deux petites perles. Ok, bon, on ira checker ça tout à l'heure, vite fait. On va aller faire le petit démon rouge. Alors, attendez, je vais voir vite fait les équipements. Je voudrais checker pour les accessoires. Alors, donc, on a un antipoison qui a l'air de faire pas mal de résistance magique, surtout. Ça baisse en défense, par contre. Hein. Ça baisse violent. Ça baisse un peu. On va peut-être donner ça à Magilou, je pense. Ouais, ça lui sera fort utile. En plus, elle pourra quand même nous soigner. Effet de poison réduit. Allez, on lui équipe ça. Je sais, je devrais peut-être pas, mais bon. Ça augmente bien, donc autant le faire. Allez, on va se faire le démon rouge, histoire de... se faire un peu d'XP, un petit peu de combat aussi pour l'épisode, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc autant rentabiliser le manque, tout simplement. Alors, attendez, on a un petit trou. Attends, mais il y a un petit chemin, là. Ah, un petit coffre, parfait. Fiole de pénacée, très bien, on va en avoir besoin, je pense. Bien, bon, bah, on est parti. Alors, t'es sensible au feu, d'accord. Alors, donc, si c'est le feu... Oh, ok, allez. Aïe, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Ok, alors on va juste... non, pas ça, c'est pas ça que je voulais faire.
Hop, allez. Alors bon, je voulais peut-être prendre Magilou avec nous, mais bon, il n'y a peut-être pas besoin finalement. Enfin, je voulais prendre Éléonore, parce qu'elle fait du feu, je crois, il me semble. Du feu et du vent, je crois. Hop, voilà, on va alterner, comme ça on est 3 sur elle. Merde, attendez, j'ai oublié un truc d'ailleurs. Oh là 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 là, j'ai oublié un truc. Attends, on avait eu une nouvelle attaque, je crois, il me semble. Alors, c'est quoi? C'est feu et terre. On va remplacer par constellation, je pense. Alors, donc c'est quoi comme attaque? Ouh, ça consomme pas mal, par contre. Hein. Alors, fil brûlant, on va le mettre là. Et on va mettre la nouvelle... Attaque de scorie à art caché qui fend la terre et provoque une onde de choc, réduit les mouvements de démons apodes. On va tester. Ok, allez, récupère. Oh, bien joué ça! Allez, ça donne quoi? Ah, j'ai pas assez par contre. Ah oui, c'est violent comme attaque! Alors c'est plus une attaque de terre, hein, visiblement. Bon, je vais peut-être la remodifier en changer de touche. Okay, alors, attendez, on va peut-être faire ça. Ça me perturbe un peu. Alors, fil brûlant. J'ai pas d'art de feu. Si, c'est ça. Alors, poussée sismique 22. Gros d'avalanche, ça fait pas mal de dégâts. Poussée sismique. Alors, j'ai destiné à percer les armures. Vous frappez un ennemi pour lui donner un coup d'épée en poupantant ce qui peut le renverser. Ça peut être pratique. Vous avez lancé sur un ennemi de l'aide d'un coup de pied pour le propulser dans les airs. Un balayage. Ok, ça on va peut-être le remplacer par poussée super. Alors, on va y arriver, je vous rassure. Hop, voilà. Nickel. Allez, récupère. Hop. Ok, bah ça marche. Oh putain. Oh putain, j'étais pas prêt. Oh là 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 là. La vache. Alors, on va reprendre Magilou, hein, je pense. Hein. Mon dieu, mais elle fait masse de dégâts. Attends, elle tue en un coup, d'accord. Cadeau, là. Nickel. Putain, elle est chaude, hein, l'ennemi, là. Allez, donne de l'XP. C'est tout? J'en ai pas vu, d'accord. Ok, bon, j'ai eu des maîtrises d'équipement, c'est déjà ça. Nickel. Bon bah écoutez, on va aller devant le bâtiment, on va aller au moins sauvegarder. J'espère juste qu'il n'y a pas une cinématique de 50 minutes là qui va se déclencher quand je vais être devant. Sinon je retourne à la sauvegarde précédente. Hein. Donc je regarde vite fait. Visiblement faut rentrer. Oh putain. Bon, pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Bon. C'est assez tranquille encore une fois comme épisode. Je pense que le prochain épisode va avoir pas mal d'informations. Alors, attends, on va checker un peu les perles. Hop, voilà. Ah, fait plaisir d'en avoir plusieurs des perles. Ah oui, c'est vraiment le coin en plus. Hein. Ah ouais, putain, sacré chemin quand même. Hein. Ok, chemise roncière. Criard, je crois. Attends, tu me... Ok, bon bah écoutez, on va aller sauvegarder au point de sauvegarde qu'on a vu à l'entrée des escaliers. J'espère juste que ça va pas lancer une scène, parce que sinon ça va faire durer l'épisode. Pas non plus que ça dure trop longtemps. Ok, c'est bon. Bien, plage de McLean. Allez hop, on sauvegarde là. Bien, bon on va s'arrêter là pour cet épisode 29. Assez tranquille, prochain épisode on va aller... On va rentrer dans la ville d'Aria, je pense qu'on va affronter, à mon avis, Oscar et ou peut-être Thérèse. Thérèse plutôt. Affronter le démon et j'espère en apprendre un peu plus sur l'Empire. Déjà, on va peut-être faire la connaissance
Apaloche, je crois que c'est ça le nom de l'Empyréen de l'eau. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et deux, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.